Et si on cuisinait italien ? Au menu, tournedos de saumon mariné, salsa aux anchois et légumes verts poêlés. Le tout servi avec des pâtes. Bref, un plat débordant de saveurs et d'arômes qui se prépare en moins d'une demi-heure. Pour cette recette, nous avons pris des trophies, de savoureuses petites pâtes fuselées originaires de Ligurie. Pendant qu'elles cuisent, nous allons détailler le brocoli en bouquets et aussi couper la partie la plus dure des pointes d'asperges vertes. Pour conserver la belle couleur verte de nos légumes, il est important de les cuire à découvert et, dès qu'ils sont égouttés, de les passer sous l'eau froide. C'est un petit truc qui marche. Occupons-nous à présent de la salsa d'anchois. Nous avons besoin d'ail, de persil plat et d'origan frais, de passata, de jus de citron vert et d'un filet d'anchois à l'huile d'olive. On mixe finement le tout et c'est prêt. Nos légumes sont bien égouttés. Faisons-les revenir quelques minutes dans de l'huile d'olive vierge extra au goût si fruité. Pensez aussi à saler et poivrer. Il ne reste plus qu'à cuire les tournedos de saumon marinés. Ils sont déjà superficiellement dégelés. Une fois épongés, on les fait cuire dans une poêle à griller avec de l'huile d'olive vierge extra. Comptez environ 2 minutes de chaque côté. C'est le moment de passer à table. Quelle belle assiette généreusement garnie! On se croirait en Italie. Que servir avec ce plat? Un vin blanc frais et fruité escortera le poisson à merveille. Ce Hardee's Stamp of Australia est tout à fait recommandé. Découvrez davantage de recettes originales et savoureuses sur notre site et suivez-nous aussi sur Facebook pour des conseils et de l'inspiration en plus.